Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, fabrication d'une tourniquette. Voilà l'exemplaire le plus simple, un des premiers que j'ai fait. Et voici le plus élaboré, plus complexe forcément, et bien sûr plus attrayant au niveau visuel. Alors maintenant, voyons un petit peu comment je m'y suis pris. Voilà, donc vous vous munissez d'une bouteille de PET, si possible assez dure. Voilà, là on trace un trait noir au feutre le long de l'axe de la bouteille. Voilà, toujours avec le ruban de couturière, faire le tour de la bouteille à sa base et tracer de nouveau un trait au feutre tout autour. À l'envers, la même chose, ici. Et ensuite, j'ai pris un ruban de couturière pour calculer le milieu à peu près. Et situer le milieu du milieu pour ensuite partager la bouteille en quatre quarts. Puis j'ai pris un élément avec la base et puis l'axe et j'ai tracé un triangle ici en tenant compte qu'il faut laisser un espace entre le bord du triangle et la ligne suivante, 3 cm à peu près. Voilà, j'ai donc tracé 4 triangles. Ici, j'ai exagéré un petit peu avant, là, il faut faire une marge de 2 cm, hein, ça suffit. Et ensuite vient le moment délicat, puisqu'il faut il faut que je place ma caméra juste. Voilà, il faut tailler. Alors là, c'est l'opération chirurgicale. Il faut faire ça très lentement. Il ne faut pas être pressé du tout. Voilà, avec un cutter super bien taillé. Et on y va, on trace les côtés du triangle. Et là, le long du long côté, c'est encore pire. C'est le plus compliqué. Il faut y aller très lentement pour faire un trait bien droit. Voilà, maintenant j'ai mon triangle et je vais le soulever et le plier le long de l'axe. Voilà, il faut aller un petit peu cracra et puis on fait le pli comme à une feuille de papier. Et voilà. J'ai ma petite ailette. Et ensuite, grâce aux traits qui sont déjà inscrits sur la bouteille, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Pour imaginer des ailettes supplémentaires. Et là, le ruban de couturière vous sera très utile. Et voilà la chose. Maintenant, il faut lui faire un trou là où je pense. Pour ça, j'ai pas trouvé mieux que de prendre un fer à souder.
Bon, très sympa. Mais je n'ai pas trouvé mieux. Il faut élargir le trou pour pouvoir passer le montant en bois. Ou alors, de manière plus propre, vous pouvez faire cela avec une perceuse et la bonne mèche. Voilà, dernière chose, vous façonnez l'axe de la bouteille. Vous achetez un tourillon de 1 cm de diamètre et il faut le façonner, par exemple, à l'aide d'une ponceuse pour en faire un bout pointu. J'ai bricolé un petit système pour suspendre la bouteille. Donc j'ai introduit une sorte de bouchon papier et voilà la ficelle qui va suspendre la bouteille au plafond. Et voilà le moment le plus sympathique. J'ai suspendu ma bouteille au plafond. J'ai pris de la peinture en spray dans une grande surface, pas chère, et je vais m'amuser.